Aujourd'hui, on va dans Ultra Strangeness, un jeu qui est ultra peut-être. Strange, ça c'est certain, parce que quand on voit ces visuels, on se dit, oulala, là là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ces gens ont pris? Sont-ils à jeun? Où vais-je mettre les pieds? L'autre truc aussi qui me fait plaisir de vous le présenter, c'est que il n'y a pas longtemps, je vous ai parlé de jeux en pâte à modeler. Oui, souvenez-vous, ou alors retournez dans la playlist principale de la chaîne, et vous retrouverez ce titre assez récent, tout en pâte à modeler et en carton, qui vous présentait sous forme d'aventure une narration plus ou moins tirée par les cheveux. Et puis on avait The Neverwood, l'ultime jeu en pâte à modeler sorti dans les mid-90s. Donc forcément, moi, tout ce mélange entre les mecs qui prennent on ne sait pas trop quoi, plus des univers en pâte à modeler, je peux pas dire non. C'est pas possible. Allez, venez, on va jeter un œil à Ultra Strangeness. Le jeu a déjà commencé, j'en sais rien. Moi j'ai cliqué bêtement hein, parce que j'ai vu que ça avançait pas, qu'il n'y avait pas de générique, qu'il n'y avait rien. Oula, ce basculement était vomitif. Je vous avais prévenu d'en prendre un petit peu quand même avant de commencer cette émission, les amis. Vous n'avez pas voulu m'écouter, tant pis pour vous. Hein. On va finir dans un drôle d'état, je vous le dis, les amis. On va finir dans un drôle d'état. Je sais pas ce qu'il faut cliquer, je comprends rien du tout. Ok. Vous voulez déjà que je vous dise mon ressenti? Vraiment? Non, je vais le garder pour la fin. Et oui, keep the best for last. Avec moi les viewers, vous êtes toujours avec moi? Tenez bon, accrochez-vous à vos fauteuils. Soyez forts. Oui, je vais vous le donner mon ressenti. Je m'attends à chaque instant que le jeu bascule dans un noir et blanc très obscur. Et qu'il y a la musique de Tool qui retentisse derrière. C'est donc comme ça qu'on fabrique les petits pois. Ok, bah, j'aurais appris un truc. Donc un jeu tout en pâte à modeler. Et où ils en avaient de la pâte à modeler, hein. Et puis ils avaient des couleurs, les gars. Faire grand chose là-dessus. Donc, je rappelle que l'usage de substances illégales est totalement prohibé et que même pour des faits récréatifs, c'est mal, vous voyez. Mmh.
Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais oui, il porte bien son nom, hein. Ultra Strangeness. J'étais pas prêt pour ça, peut-être. Le bleu. C'est un poil limite, les interactions, quand même. Bon, on va aller voir l'arroseur. Ce truc en l'arrosant, et si je trouve ça, ça pourra t'aider, et là tu me feras des trucs que jamais de ta vie t'as fait parce que t'es prête à te sacrifier. Ok. Il faut que je trouve ça. Je vais regarder s'il n'y a pas un magasin sur la map. Là, ça aurait pu marcher sur un malentendu, hein. Alors j'ai pas 36 000 touches, hein. Je pointe, je clique et j'avance. Pour l'instant c'est très linéaire. Salut, j'aimerais bouger. Mon personnage est bloqué là-bas. Mec, bah, il faut trouver le bon endroit où aller, sinon tu bouges pas, ok. Je voulais faire un truc. Oh là là, c'est un décor en chewing-gum pré-mâché. On vous ment, on vous spolie. C'est pas de la pâte à modeler, c'est du chewing-gum, c'est pas possible. Allez, accrochez-vous, on y va. Je rentre là-dedans pour ressortir là-bas, je suis sûr. Parce que là, c'est pas possible. Vous voyez? Vous voyez? Et là, m'attend Amgrunk. Amgrunk, qui est un vieil ami de longue date, qui est le vieux sage du village, qui a été craché il y a pas longtemps par un enfant de 7 ans. Oui, c'était un chewing-gum avant. Oh là là, mais où je vais dans ce jeu, les gars? Je vais essayer ça. Alors, pour l'instant, c'est supralinéaire. T'aurais pas vu ça, mec? Ça non. T'as vraiment une tête de con. Peut-être que c'était un pas mûr. Eh oui, il faut trouver un pas mûr avant. Merci dude. On se tape pas 5, mais coronavirus, tout ça, tu sais bien. Mais bon, je peux utiliser ta machine. Ah. Qu'est-ce que wack? Oui. Oh, regarde, je viens de tétraformer par mon esprit cet objet qui servirait tant de l'autre côté. Et hey dude, je t'en tape pas 5, mais le cœur y est. Allez, au plaisir. Pam, pam, pam. Ça fait plaisir de réussir des missions facilement quand même. Il n'y a pas le retour caméra, mais vous m'entendez sourire, je suis certain. Oh, il y a la Mano Negra qui est arrivée dans le monde arc-en-ciel et qui est en train de tout casser. Sagouin. Alors aujourd'hui, je ne donnerai pas d'affirmation pour conclure ce stream. Au contraire, ce sera une question. Est-ce que cette démo sur Ultra Strangeness vous a convaincu? Je vous invite à poser vos commentaires en commentaire. Et éventuellement refaire la démo en ayant pris des trucs avant. Mais voilà, je... Ouais, on n'est pas dans The Neverwood. C'est pas du tout pareil. Et j'ai mes quelques doutes quand même sur l'avenir de ce jeu prototype qu'on présentera sûrement en 2200 dans les muséums comme avant-gardiste. Playlist, playlist, bouton d'abonnement. Vous êtes sous mon emprise. Vous allez cliquer ce putain.